Salut les amis, je vais vous préparer un joli petit cocktail. Oh, j'ai oublié avant tout, vous souhaitez la bonne année, qu'elle soit bien horrifique. Je vous présenterai plusieurs choses pendant le cocktail, c'est pour ça que c'est moi aujourd'hui qui le fais, au lieu de notre chef. Il pourra vous présenter tout au long de l'année des vidéos dont il a que lui la recette. Donc on va faire un petit déjeuner. Et surtout un jus de petit déjeuner. Que vous allez voir, ça rebooste pour cette nouvelle année. Comme ça, vous partirez sur les chapeaux de roue. Donc, comme vous voyez, les éléments sont là. Un peu d'orange, un peu de banane, un peu de rouge quoi, un peu de tomate, un petit appareil qui va bien, mais vous pouvez tout faire à la main pour ceux qui ont envie de le faire à la main. Donc on va faire un peu de bruit, comme on va commencer déjà par les oranges. Et je m'appelle pas Maïté. Allons-y. Faire la même chose à votre cerveau pendant les ultimates. Bon, parlant des ultimates, on oublie tout ça, dis donc. La nouvelle année, le retour de mes soirées que j'ai créées. Les ultimates. Donc l'origine et la no-limite reviennent. Dans plus de 5 caves à Turquoise. Vous pourrez vous inscrire dès le mois de janvier. Quand vous aurez envie de souffrir un peu de sang gluant dans votre vie, comme l'orange sanguine. Et comment va-t-on appeler ce cocktail comme je ne suis pas cuisiné. Aujourd'hui, il est pas là. Qu'est-ce qu'on va faire sans lui? Il y en a des oranges là. Donc, on a fait le reste des oranges qui étaient déjà coupées comme je vous avais préparé un peu la chose. Mais d'habitude, on prend l'orange et on la coupe. Ah, voilà. Un plaisir de... Celle-là, elle est un peu dure. Voilà. Un plaisir de couper les oranges. Et on continue, on continue. Oui, j'avais oublié. N'oubliez pas l'hygiène, donc il y a des petits gants, la texte, bah oui, j'ai pas mes gants blancs aujourd'hui pour vous faire peur. Aujourd'hui, je suis là pour vous faire un cocktail que vous pourrez vous rappeler dans cette année 2022. Donc, il y a des gants, la texte pour l'hygiène, et normalement, oui, le cuistot est chaud, donc il n'en a pas besoin. Normalement, une petite charlotte pour cacher tous ces cheveux qui pourraient vous embêter au sein de cette petite... agitation. Après la quantité, vous la connaissez, c'est chacun fait ce qu'il veut. Oula là. Des choses à côté. Mes amis, quand on a fini cette petite texture qui est très goulinante. Nous pouvons retirer ce petit jus tout. Mais avant tout, on va faire un bien comme... Il reste un peu de jus toujours là-dedans. Maïté, allez, voilà. On peut pas le faire à ma face. Voilà, on va en mettre un peu de partout, mais vous savez, je suis pas cuistot. Hein. Bon, et puis, je suis pas dans la cuisine du cuistot. Donc oui, je vous disais, donc... Je me trompe pas le truc très chiant là, un peu. Le cuistot vous préparera des petites vidéos. Vous aurez sûrement une vidéo tous les mois, un truc comme ça, du petit cuistot qui vous présentera ces fameuses recettes que vous mangez pendant les ultimates. Vous allez voir, vous pourrez vous la faire vous-même chez vous. Donc, on a le petit jus. Après le petit jus, et ben, on va mélanger le reste comme donc. Voilà. Les oranges qui se sont transformées en jus. Après, on a deux bananes.
qu'est-ce qu'on va faire des deux bananes? Et 4 tomates. Mais pour mélanger tout ça ensemble, nous allons prendre un petit mixeur. Et vous allez voir, ça va faire du concentré. Donc dans ce petit mixeur, on prend notre petite agamelle et on verse ce qui s'appelle maintenant du jus d'orange et pas de clémentine. On va s'amuser à couper les tomates. Comme ça, on lui fait le travail mâché au mixeur pour mixer. Voilà, voilà. Après avoir coupé toutes les tomates, je les ai toutes mis là-dedans. Vous voyez, ça fait beaucoup de monde là-dedans. Ça va faire une belle couleur. Et ce qu'on va faire, on va y mettre directement dessus. Déjà, pour mixer les tomates, on fera les bananes après. Ça y est, très qui force. Allons-y. On va faire un peu de bruit dans ce monde de silence. Donc, nous revoilà, comme vous voyez, les tomates ont été broyées, ça fait une petite couleur assez sympathique, un petit jus, on pourrait pas l'appeler du jus de sang, comme c'est passé rouge, mais un peu de jus. Donc on va faire les deux petites bananes pour du coup donner un petit peu de goût là-dedans, comme nous allons être vachement acides entre les tomates et les oranges, vous connaissez très bien, je vais pas vous apprendre la cuisine. Vous êtes assez intelligent pour ça, je pense. Chacun son truc. Donc on décortique les deux bananes pour pouvoir les couper et les mettre dedans et qu'on mélange le tout. Voilà. Et puis moi, je peux vous parler également de quelque chose de tout nouveau en 2022. C'est les événements surprises qu'ils ont appelés. Hop là, on met une petite banane. Une deuxième banane. Donc ils ont appelé ça les anniversaires surprises. Les anniversaires surprises. Mais pensez-y pour vos amis, vos proches, vos collègues de travail. Effectivement, les anniversaires surprises, qu'est-ce que c'est? Vous êtes un petit groupe ou vous êtes tout seul, vous voulez organiser quelque chose de très surprenant à votre ami qui veut que c'est son anniversaire. Et bien tout un truc s'organise autour de ça, chez lui, oui, ou dans une salle des fêtes où il le fait. Et il va se passer des choses en plus de son anniversaire qu'il ne saurait même pas imaginer. Ce qui est quelque chose d'unique. Une peur et un anniversaire qu'il se souviendra toujours. Vous voulez lui faire plaisir. Allez voir tout ça. Donc on repart, on va tout remixer. Attention, là, ça reste de gicler. Comme vous voyez, on dépasse les hauteurs limites. Hein. Mais comme je vous ai dit, on n'est pas que... Et comme vous le voyez donc, je viens de finir de mixer donc mes bananes hein, qui sont toutes ramollies maintenant, les oranges et les tomates. Les tomates, on les voit bien, on dirait qu'on a mis des morceaux de chair humain avec un peu de sang, regardez, qui flotte. Du coup, bah, votre mixture est prête pour cette nouvelle année. Hop là, on plante le couteau, comme ça, ça évite de se planter le couteau. Hop, votre mixture est prête pour la nouvelle année, comme je disais. Donc c'est une mixture que vous pouvez faire au petit déjeuner. Mais pour pimenter tout ça. Donc après vous avez le choix pour y garder. Vous pouvez mettre dans un bocal comme ça, par exemple. Et comme ça, ça donnera un peu. On va essayer de le faire, mais tout doucement. Comme... Attendez, on va faire quelque chose. On va être intelligent, on va prendre le petit bocal, un petit peu. Vous savez, je suis pas custom, mais je suis intelligent. Donc, on met tout ça là-dedans. On le remplit pas, quand même. Il y a un petit trou au milieu. Et j'avais dit une charlotte pour les cheveux, comme j'ai mes cheveux qui m'embêtent. Bon, bah, les amis,
je vous disais plein de choses. Du coup, on est sur le final. Et sur le final, j'ai pensé, bah, comme je vous disais tout à l'heure, hein, l'hygiène avant tout, les gants latex, la Charlotte. Et ben bah, voilà, j'ai ma Charlotte pour la fin. Vous allez me dire, ça sert à rien, mais c'est fait. Donc, on verse avec le petit bec verseur. Regardez, ça va tout seul. Ça va être magnifique. Mais j'en ai pas pris assez, mais forcément. Si vous avez chez vous, comme nous, on est très peu équipés, comme je vous disais, mon cher cuistot n'est pas là en cette nouvelle année. Du coup, c'est moi qui vous présente ceci. Mais lui, il est tout équipé dans sa cuisine avec un petit entonnoir, tout ça. On verse bien comme ça. On remplit. On lui remplit le crâne. Voilà, comme ça il pourra bien réfléchir, le monsieur. Voilà. Du coup, ça donne une petite texture assez sympa dans son crâne. On peut lui remettre son petit bouchon, regardez. Waouh! Voilà. Des choses assez sympathiques. On remet tout ça. Tout ça, on n'a plus besoin. On y met de côté. Donc voilà, une petite texture très sympathique. Avec un petit vase très sympathique pour y mettre dedans. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que vous pouvez présenter dans un petit déjeuner à vos amis. Mais, du coup, on vous disait quelque chose qui va booster votre journée. Pas pour booster votre journée. Nous y voilà. Donc vous avez des petits verres qui sortent aussi de l'ordinaire. Et qui ressemblent à la petite... Mais, du coup, pour booster votre journée, il faut prendre un peu de liquide transparent. Donc vous prenez celui que vous voulez, un liquide transparent qui vous plaît. Vous en mettez un petit peu dans chaque. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, n'oubliez pas. Voilà, vous en mettez un petit peu dans chaque. Et une fois que vous en avez mis un petit peu dans chaque. Non, vous ne le buvez pas, bien sûr. C'est pas fait pour ça. Voilà. Là par contre, vous le mélangez. Regardez, on dirait des spermatozoïdes qui flottent, comme dirait le Duke Shining. Et pensez au Duke, avec ses 7 péchés de l'aurore et ses soirées aurore. Il vous accueille, surtout que les 7 péchés sont en train d'être restructurés pour l'année 2022. Et oui, beaucoup de choses vont se passer en 2022. Des petites vidéos assez sympathiques avec notre cher clown, le cuistot qui sera là pour vous présenter ces fameuses cocktail et repas que vous pouvez également faire. Des anniversaires surprises qu'on sera les bienvenus, nous, l'expérience Shining, Shining Experience, pour vous faire plaisir sur des événements que vous voulez surprendre beaucoup de gens. Donc voilà, maintenant vous avez tout pour vous remettre en forme dès le matin. Avec une petite texture, fais voir que c'est mignon, le petit. Oh là là, le petit crâne et tout. Donc vous pouvez présenter ça à vos amis. Et dès le matin, vous partez. Montez l'Everest. Je vous dis à bientôt dans mes soirées.